Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Scriban. En dessous de cette vidéo, tous abonnés, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, et si on vous disait que vos poupées ou encore les poupées que vous avez achetées à vos enfants qui se trouvent chez vous vivaient ou encore étaient vivants, si on vous dit que ces poupées sont réelles et que ces poupées-là sont capables même de parler, vous le croiriez-vous? Mes frères et sœurs, c'est assez incroyable ce que nous venons de découvrir. Ah! Ça, c'est un témoignage. C'est le témoignage d'une fille, une jeune fille, qui va nous dire clairement ce qui se passe avec sa poupée ou encore ses poupées. Mes frères et sœurs, vous serez vraiment étonnés. C'est quoi une poupée avant de commencer? Mes frères et sœurs, vous qui regardez cette vidéo, dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'une poupée? Déjà, pour commencer, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur directement sur abonné, cliquez sur la cloche de la TVA. Et cliquez sur j'aime, quand vous serez vraiment touché parce que vous allez voir. Ça risque de vous faire peur, mais ne vous inquiétez pas, Dieu va nous aider. C'est quoi une poupée, mes frères et sœurs? Une poupée, quelqu'un m'a dit, c'est un jouet. Bon, ok, c'est un jouet. C'est quelque chose que vous achetez en général pour donner à votre enfant ou même pour décorer la maison comme les objets qui se trouvent même là derrière moi, regardez, comme ça et puis ça et puis voilà, un peu comme les poupées, les nounous que vous avez à la maison. Mais bien sûr que oui, on va dire que c'est la même chose, n'est-ce pas? Ok. Mais croyez-vous que ces choses-là, que ces poupées-là, ou encore ces nounous-là soient vivantes et que ces jouets-là soient vraiment vivants? C'est incroyable. Un jour, nous avons reçu un témoignage. Le témoignage d'une sœur qui a dit qu'un jour, en rentrant dans la chambre de sa fille, elle a vu la poupée de sa fille en train de danser devant la télévision et il y a un dessin animé qui passait. Qu'elle a rendu son témoignage, franchement, nous avions tous du mal à y croire. Comment une poupée peut-elle danser? En réalité, il y a des démons qui possèdent tous ces objets. Tous les objets que nous achetons, les démons les possèdent tout simplement. Et ce qui est étrange, c'est que ces choses-là sont réelles, et même plus réelles que réelles. Et quand vous avez ces choses-là chez vous, les démons s'amusent. Il vous contrôle. Il contrôle tout ce que vous faites. C'est comme des caméras de surveillance de la sorcellerie ou encore du diable qui se trouvent chez vous. Mais vous ne le savez pas encore. Franchement, c'est assez hallucinant. C'est une vidéo assez compliquée, mais c'est comme ça. Quand tu vas raconter une telle chose à quelqu'un, la personne va te dire « Non, c'est de la blague. Tu rigoles. Tu veux nous faire peur. » On cherche à te faire peur, c'est possible. De toute façon, ce genre de choses font toujours, ça dit, c'est pas joli à voir. Donc, si tu dis que ça te fait peur, on te comprend. Mais n'aie pas peur. Ces choses sont bien réelles. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ceux qui fabriquent les poupées deviennent automatiquement des personnes utilisées par le diable et ses démons. Puisque après la fabrication de ces poupées, des démons doivent venir posséder ces poupées afin que nos enfants, afin que nous puissions les recevoir chez nous. Quelqu'un va dire que ce sont les envahisseurs. Ils ont fait beaucoup. Les gens font des. À Hollywood, les gens font de ces films qu'on appelle les envahisseurs. Du genre des extraterrestres qui viennent pour envahir le monde. Les extraterrestres ici, là, sont devenus nos poupées. Nos nounous que nous avons à la maison. Parce qu'ils sont possédés par des démons. Ok, nous allons nous préparer à aller au studio et vous allez voir avec nous ce que nous allons voir. Et ce que nous allons voir risque de vous étonner. Nous allons voir une fille avec son père. Une fille qui sera en discussion avec son père. En fait, elle a utilisé, je ne sais pas si c'est du vernis ou quoi que ce soit. De toute façon, vous allez voir la vidéo. Nous allons lire. Comme nous, on ne peut pas filmer, en même temps filmer sur l'écran, c'est qu'est-ce que vous allez voir. La fille
Il va poser la question à la fille, mais pourquoi tu as coloré ta poupée avec du vernis? Et elle aussi, elle va dire, c'est parce que ma poupée m'a demandé de le faire. Il dit, sérieux? Comment ça, ta poupée t'a demandé de le faire? Elle dit, effectivement, ma poupée parle. Elle me parle, comme toi et moi, nous parlons, là, maintenant. Elle va dire, mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Il dit tout, elle va dire, toutes mes poupées me parlent, ce sont elles qui m'ont demandé de le faire. Mais combien de fois t'ont-elles demandé de le faire? Elle va dire des centaines de fois. Elle me parle. Ok, suivez-nous. Allons au studio, vous allez nous voir ça aujourd'hui. Suivez-nous. J'espère que la qualité de la vidéo vous plaît. Nous avons acheté un nouvel appareil pour le travail. Nous comptons acheter un autre appareil en 2019. Que Dieu nous aide tout simplement. Bien, regardez l'écran. Que voyez-vous? On voit tout simplement une fille qui est là. Voilà, vous voyez, hein? Vous voyez la fille qui est à l'écran là? Voilà. Et regardez bien, qu'est-ce qui est écrit en bas? On va venir un peu plus. Regardez bien, qu'est-ce qui est écrit? On va zoomer ici, là. Qu'est-ce qui est écrit? C'est renversé, vous pouvez pas lire. Ok, nous allons lire pour vous. Bien, on va s'asseoir. Préparez-vous. Ok. C'est bien. À ce niveau, je pense que on se voit maintenant. Comme vous le voyez à l'écran, cette fille-là, elle n'est pas en train de rigoler, elle n'est pas en train de blaguer. Elle va se mettre à parler. Nous allons lire tout simplement tout ce qu'elle va dire. Premier élément. Son père lui a posé la question. Ok, Sophie. Ok, voilà, tout est là. Je lis en même temps en dessous, tout est en bas. Comme c'est peut-être renversé chez vous. Ok, on y va. Son père lui dit. Ok, Sophie. Tu viens de colorier ta Barbie avec du vernis à ongles. C'est-à-dire sa poupée. Elle vient de colorer sa poupée. Ok, voilà, passez-y, on tourne. Elle vient de colorer sa poupée avec du vernis à ongles. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Ok, bah, ok, voilà. Ok, Sophie, tu viens de colorier ta Barbie avec du vernis à ongles. Et puis, vous voyez, ça bouge. Hein? Et elle dit, elle va maintenant dire, oui. Elle m'a dit de le faire. Ah! Oui, elle m'a dit de le faire. Regardez, c'est écrit là devant vous. Mais c'est renversé, peut-être vous voyez ça renversé. Bon, oui, elle m'a dit de le faire. Elle t'a dit de le faire. Là, c'est son père qui lui dit, qui lui pose la question, mais... Ah! Comment? Elle t'a dit de le faire. Et regardez, regardez, là vous pouvez voir, vous allez voir comment elle va revenir sa tête, regardez bien. Regardez bien. Elle t'a dit de le faire, elle a remis sa tête. Est-ce que vous avez vu? Regardez bien. Vous avez vu comment elle a remué sa tête là? Est-ce qu'elle a été de rigoler? Est-ce qu'elle a été de blaguer? Est-ce que vous pensez que cet enfant là, elle ne sait pas ce qu'elle a vu? Ok, si vous pensez que c'est de la blague, allons-y plus loin pour savoir plus. Plus loin, on dit, donc, quand Barbie était allongée là, elle t'a dit. Je vais m'allonger là et tu peux jouer avec moi. Là, c'est son père qui lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi-même, je vais m'allonger là. Pour que toi tu puisses jouer avec moi, puisque tu dis que c'est cette poupée là qui t'a demandé de la colorier quand elle était couchée. Peux-tu me colorier? Là, son père lui demande, peux-tu me colorier avec du vernis? Ok, peux-tu me colorier avec du vernis? Elle a dit, elle l'a dit une centaine de fois. Et je lui répétais non. Elle l'a dit une certaine fois et je lui répétais non.
Donc cette fille-là, elle entend la voix des poupées. Elle entend la voix de sa poupée. Et bien j'hallucine ou quoi? Et plus loin. Attendez, on va mettre le volume. J'espère qu'en ce moment-là, vous pouvez comprendre. Je vais mettre le volume de l'appareil, voilà, pour que vous puissiez voilà. Elle a dit, écoutez, hein, elle l'a dit une centaine de fois. Et je répétais, non, écoutez, hein. Mais son père dit, mais elle répétait sans cesse, s'il te plaît, colorie-moi avec du vernis. Nail polish on Barbie, and she kept saying over and over again, 100 times, she kept saying, please paint me with nail polish. Elle l'a dit une centaine de fois. Now where are you? Où as-tu le droit d'utiliser ton vernis à ongles? Allowed to use your nail polish. Dehors, où as-tu le droit d'utiliser ton vernis à ongles? Et elle a dit c'est dehors. Outside. Son père dit dehors. Et pourquoi tu l'as utilisé à l'intérieur? C'est-à-dire dans la maison. But when you painted inside, why did you do that? Elle m'a dit de le faire. Elle m'a dit de le faire. Je lui ai dit que ce n'était pas une bonne idée. Mais elle ne m'a pas écouté. Toutes mes poupées me le disent toutes. Elle dit que toutes ses poupées lui disent des choses bizarres. Elle parle avec toutes ses poupées, elle entend toutes ses poupées parler. Est-ce que c'est de la blague? Mes frères et sœurs, est-ce que c'est de la blague? Est-ce que c'est de la blague? Regardez, elle entend toutes ses poupées parler. Waouh, j'hallucine ou quoi? Toutes mes poupées me le disent. Regardez. Should get in trouble? Should Barbie get in trouble? Du vernis, il reprend. Toutes mes poupées me le disent. So who should get in? Qui devrait être puni pour avoir utilisé? Là, son père lui pose la question de savoir, mais qui devrait être maintenant puni pour tout ce que tu viens de faire? Qui devrait être puni? In trouble? Should Barbie get in trouble? Pour avoir utilisé du vernis, Barbie ou Sophie? Qui devrait être puni? Est-ce que c'est Barbie? C'est-à-dire ou c'est Sophie elle-même? Elle s'appelle Sophie. Est-ce que c'est Barbie ou c'est Sophie qui doit être punie? Et regardez, c'est qu'elle va dire. Should Sophia get in trouble for using the nail polish in the house? Me. Vous avez entendu? Là, même si vous ne comprenez pas, mais vous savez ce que ça veut dire. Elle dit, moi, mais... Regardez, on reprend, regardez. Barbie get in trouble or should Sophia get in trouble for using the nail polish in the house? Me. Vous avez vu? Elle dit, moi, mais... Et voici des poupées dont nous sommes en train de parler ici. Regardez bien. Regardez. Quand vous achetez de telles poupées au marché, quand nous achetons de telles poupées au marché, on se dit quoi? On se dit que c'est pour faire plaisir à nos enfants, de tous les enfants vont jouer avec. Ah! Maintenant, au lieu de jouer avec, c'est devenu une guerre. Ces poupées-là commencent à apprendre des choses bizarres à nos enfants. Sa poupée a commencé à lui dire de commencer à apprendre à se mettre des vernis, se colorer, se maquiller, toutes ces histoires. Et comment se fait-il qu'un enfant parle-t-il à sa poupée? Pourquoi cet enfant-là parle-t-elle à sa poupée? Là, vous ne direz pas que on veut de vous raconter des histoires. Vous avez vu de vos yeux. Je suis même dépassé. Mes frères et sœurs. Hey, dans la vidéo analyse que nous faisons là, nous parlons en général des
comment ça s'appelle, ce que les femmes mettent ici là? J'ai oublié l'expression. Ça s'appelle comment? Des boucles d'oreilles. Et puis, nous faut parler également des make-up, des bijoux, toutes ces histoires. On vous dit que tout ça, ça conduit à l'enfer et que ce sont les œuvres du monde des ténèbres, ce sont les démons qui sont derrière tout ça. En général, quand on parle comme ça, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas et disent que, mais pourquoi? Tu veux pas qu'on soit belle ou quoi? Ah! Maintenant, tu veux nous voir? Qu'est-ce que nous sommes en train de raconter là? C'est pas de la blague. Et que le diable, lui, il ne rigole pas. Le diable, lui, il ne joue pas avec ça. Il sait que ces choses-là lui appartiennent. Et si on te demande de ne pas porter les bijoux, c'est parce que même des bijoux sont possédés. La plupart du temps. Et le témoignage populaire de Nyans Reborn. Clique sur Nyans Reborn, après t'être abonné, et tu vas avoir deux logos. Abonne-toi sur tous les deux logos, Nyans Reborn 2 et Nyans Reborn 3, ce sont nos chaînes. Tu vas voir en dessous, tu vas voir vidéo populaire. Tu vas voir la vidéo populaire. Tu vas voir 666 et une femme. Vous allez voir. Là-bas, une femme ex-sataniste, elle-même, elle nous raconte tout ce qu'elle faisait avec les bijoux, les faux cheveux, les faux ongles. Et elle dit que toutes ces choses viennent du diable. Si vous avez ces choses, sachez que vous avez les choses du diable sur vous. Et elle, la fille là, elle a des poupées à la maison. Maintenant, nous, vous allez vous poser la question de sa mère. Que va faire son père maintenant? Que va-t-il faire? Va-t-il toujours garder ses poupées-là chez lui ou les jeter? S'il garde ses poupées-là chez lui, ses poupées-là vont continuer à harceler cette fille. Elle a dit que ses poupées-là lui ont demandé de la colorer des centaines de fois. Or, son père n'autorise pas cela à la maison. Elle dit, il a posé la question de voir, mais où tu as appris ça? Elle dit dehors. Cette fille, franchement, ça m'étonne. Elle a dit, non, franchement, Dieu merci son père. Dieu merci, elle a révélé toutes ces choses à son père. Dieu merci. Dieu merci. Mes frères et sœurs, faisons attention. Faisons vraiment attention. Nous sommes dans un monde compliqué. Le diable veut posséder les gens. Il veut savoir ce que vous faites. Mais vous poussez à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et il fera tout ce qui est possible pour y arriver. Mais vous ne lui donnez pas accès en ayant des choses qui lui appartiennent. Ce sont les choses, ce sont les poupées comme vous venez de voir. Les faux ongles, les faux cheveux, les make-up. Ils croient quand même. Vous-même, les femmes, vous pouvez m'en dire plus sur le sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que dans nos vidéos analyses, il y a des choses vraiment graves qui se passent là-bas. Si vous voulez savoir ce qu'est une poupée, nous en parlerons certainement, si Dieu le veut, dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous et suivez-nous. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Prenez soin de vous. Partagez cette vidéo aussi pour alarmer les gens. Ne restez pas avec cette information seule pour vous. Cliquez s'abonner si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la cloche de la TV. Et soyez prêts pour la prochaine vidéo, si Dieu le veut. Ça va être chaud.